Bonjour les leaders, ici c'est Flavien. J'ai fait cette petite vidéo rapide pour vous montrer comment acheter votre TTCircle token. Après avoir créé votre compte et acheté votre U-Card, la prochaine étape c'est d'acheter le token TTCircle ou alors la blockchain Phone, tout dépendant de ce que vous voulez, de vos objectifs et de ce que vous voulez prendre. Donc pour ce faire, vous vous connectez rapidement. Clique ici. Ensuite, vous mettez votre nom d'utilisateur, votre code d'utilisateur, puis vous vous connectez rapidement. Lorsque vous vous connectez, ça ouvre directement sur cette page. Pour acheter, vous pouvez soit cliquer ici sur Buy, ou alors vous venez, vous cliquez sur les trois petits traits, vous cliquez sur, attendez, sur Shop ici. Ensuite, vous cliquez sur Buy, c'est la même chose. Lorsque vous cliquez, ça ouvre ici. Et souvent, généralement, quand ça ouvre, ça ouvre directement sur la U-Card. Vous allez ici, vous allez cliquer sur Token DTCircle. Ou si c'est le blockchain phone que vous voulez acheter, il y a le blockchain phone extra EU pour ceux qui habitent à l'extérieur de l'Union européenne. Pour ceux qui habitent en Italie, blockchain phone Italia. Pour ceux qui habitent dans les pays de l'Union européenne, vous cliquez sur blockchain phone EU. Maintenant, pour ceux quand on veut acheter le token DTCircle, donc on clique sur Token DTCircle, on le sélectionne bien et on fait défiler vers le haut. Ici, ce sont les différents paquets. Ça, c'est par pack de 1. Un token DTCircle coûte le vaut présentement 8,50 $. Donc, si c'est vous voulez juste acheter peut-être 9 en bas de 10, si vous voulez acheter moins de 10, vous choisissez celui-ci et puis vous allez choisir le nombre. Si vous voulez acheter à peu près plus de 10, vous pouvez choisir le pack. Ça, c'est le pack de 10 qui coûte 85 €. Vous cliquez là. Et si vous voulez acheter plus de 100, vous choisissez le pack de 100. En cliquant ici, le pack de 100, c'est 850 €. Et puis, vous allez choisir le nombre de packs de 100 que vous voulez. Prenons pour quelqu'un qui a peut-être 500. Pour quelqu'un qui a 500, oui. S'il veut acheter le pack, s'il a le pack de 100, non, un pack de 100 coûte déjà 850. Donc, si vous avez 500 €, pas la peine de choisir le pack de 100. Choisissez le pack de 10. Pack de 10, et puis on va multiplier. Cliquez là-dessus. Et ici, vous cliquez là pour multiplier. Donc, on va choisir le pack de 10, vous le voulez combien de fois? On va le choisir 5 fois. 5. Vous voyez, 5 packs de 10. Ça vous fait 425. 425 sur vos 500, il vous reste 75. Et 75 ne peut plus acheter un pack de 10. Avec 75, vous pourrez plutôt aller acheter plusieurs packs de 1. Donc, c'est ça. À moins que vous ayez peut-être 525 avec le bonus, que si ça vous a donné le bonus, vous pourrez acheter encore un pack de 10 avec. Donc, rendu ici, vous avez tout simplement dit complete order. Complete order. Ensuite, on fait ça. Ah, ça me dit insufficient credit to complete. Ah oui, c'est parce que moi, je n'ai pas 500, j'ai plutôt 100. Donc, je vais aller choisir pour 100. Je vais aller choisir pour 100. Donc, je vais aller ici, je reviens ici. Pour annuler, vous cliquez sur le panier, puis vous dites empty shopping cart. Ça va vider votre panier. Vous cliquez sur Hop. Là, ça va vider votre panier. Vous revenez sur le dashboard. On va cliquer sur Buy. Présentement, j'ai une U-Card de 100. Je vais choisir le token DTCircle de 100. J'ai une U-Card de 100 €. Donc, je vais choisir. J'ai choisi ceci. Et je vais choisir une seule fois parce que ça me fait déjà 85 € ici. Ça va me coûter 85 €. Donc, vous, si vous voulez, si vous avez par exemple une U-Card de 500, vous faites comme je vous ai montré tantôt. Vous cliquez ici, vous choisissez le nombre multiplié par 5. Ça va vous donner le nombre, la quantité que vous voulez acheter. Puis là, on va dire complete order. Et maintenant, vous devez choisir ici, cocher You Balance pour que ça a ses payment options. Ou que j'ai coché You Balance pour que ça utilise votre You Balance pour faire l'achat. Votre U-Card que vous avez acheté pour faire l'achat. Ensuite,
Il y a des petites notes là. Ensuite, vous allez cocher ici pour dire que vous avez accepté. Ici aussi, vous avez accepté. If you wish to write us a note, c'est pour dire que si vous voulez leur écrire une note, vous pouvez leur écrire ici. Mais pas besoin parce que l'achat se fait automatiquement. Ensuite, vous allez cliquer ici Complete Order. Your order has been successfully sent to your share. It assigned code is voici le code. Donc ça a été envoyé à your share. Ils vont le valider et puis le token va s'afficher dans votre back office. Donc c'est ça. Ok, on va retourner. Attendez, on va cliquer ici, on va retourner dans le dashboard. Dans le dashboard, on va voir au niveau des tokens. Attendez, attendez, attendez. Affiliés au niveau des tokens achetés. Donc, pour voir vos tokens que vous avez achetés, vous venez sur votre dashboard. Ensuite, attendez, vous allez cliquer ici sur e-wallet, puis vous venez ici sur e-wallet summary. Ça vous ouvre cette page. Vous allez défiler, vous allez voir ici le montant qui vous reste, le montant de U-Balance qui vous reste. Avec ce montant, vous pouvez encore acheter d'autres des tokens si vous voulez. Et on va descendre ici. Token, dites ici que vous avez au total, ici là, dans ce qu'on a au total 71. 71. Puis la valeur, ça fait 600. Les 671, ils valent 603 euros. Donc, vos tokens seront ici et la valeur de vos tokens en euros vont s'afficher ici. Et ça, c'est le prix d'un seul token. Et si le prix augmente, vous allez voir que ça va changer ici. Donc, c'est ça. L'achat du token, ça se fait rapidement de cette façon-là et vous le recevez immédiatement dans votre wallet. Vu qu'il reste 21, je peux encore en acheter. Je vais tout simplement aller dans Buy, clique sur Buy, je choisis DT Circle, DT Circle Token, et puis je vais choisir les packs de 1, Shopping, et dans 21, il y a 8, combien de fois? Donc je peux juste acheter 2. 2, ça me fait 17 euros. Je vais faire Complete Order. Je dis, choisissez, j'utilise la U-Balance. Puis, je coche là. Oh, pardon, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce que ça m'a. J'ai fait une fausse manœuvre. Je coche ici. Je coche là aussi. Puis, je fais Complete Order. Ça a été complété. Maintenant. Je clique ici pour retourner au dashboard. Dashboard. Sur le dashboard, je clique là. Et puis, je passe sur e-wallet. Je choisis e-wallet summary. Ensuite, je descends. Vous voyez là, j'avais 21. Il me reste 4,50. Je descends, je descends. Là, ça ne s'est pas encore ajouté. Ça ne s'est pas encore ajouté. Ça va s'ajouter après validation. Donc, c'est ça, on va attendre que les deux autres que je viens d'acheter vont s'ajouter. Donc, c'est tout, c'est comme ça que l'achat se fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour vous aider. Merci, bye bye.